Tunashukuru Mwenyezi Mungu aliyetupatia tena neema hii ya kuja kumwabudu nyumbani mwake na kupokea neno lake. Abarikiwe atukuzwe milele. Abariki kila binti wake na kila mtoto wake mjina na mkombozi wetu Yesu Kristo. Tusimame, mettons-nous debout, tusome neno, lisons la parole. Luc chapitre 6. Luca Surasita. Luc 6. Luca Surasita. À partir du verset 46. Kwanzia mstari wa 46. Luc 6. Luca Surasita. À partir du verset 46. Kwanzia mstari wa 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Kwa nini munaniita Bwana, Bwana, nani hamutendi maneno ninayowa sema nani? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le roc. Amen. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Amen. Kila mtu anayekuja kwangu na kusikia maneno yangu na kuyafanya, nitawaonyesha ninyi mfano wake mtu huyu. Mfano wake ni kama mtu aliyejenga nyumba, akachimba chini sana, akaweka msingi juu ya mwamba. Wakati maji yalipopanda, mto ukapiga kwa nguvu sana juu ya nyumba ile, lakini haukuweza kuitikisa, kwani ilijengwa juu ya mwamba. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre ou sur le sable, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Lakini yeye anayesikia pasipo kutenda anafanana na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya udongo pasipo msingi. Basi mto ulipiga kwa nguvu, ikaanguka mara moja, na anguko la nyumba ile ilikuwa kubwa. Amen. Amen. Mungu wetu atusaidie. Que Dieu nous aide. Tukuwe watu wa kusikia. Que nous soyons des gens qui des auditeurs. Kushika. Qui mettent en pratique. Na kuweka katika matendo. Et qui attendent cela, ceux qui mettent en pratique. Pale tutampendeza Mungu. À ce moment-là, nous allons plaire à Dieu. Na hadi zote za Mungu. Et toutes les promesses de Dieu. Zitakuwa ni zetu. Seront pour nous. Korale itongoze. Que la chorale nous conduise.
mwamba uliopasuka. Yo pasuka nani yako nijifiche maji yale damu ile itokayo mbavu zako iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya kazi za mikono yangu haziwezi kukomboa hata ningelia sana na kutenda kazi nyingi singeweza kuokoka peke yako Mwokozi ndani yangu sina kitu naushika msalaba uje neme uni vikesina sena ngovo necho kuwe mimu nemchafu uni wewe umokozi wangu atusaidie. Qu'il nous aide. Tusiwe wasikilizaji wenye waishi. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs qui ne mettent pas en pratique. Mungu wetu anasemezana na kila mmoja kwamba Dieu parle avec tout un chacun de nous disant que anayenyeshimia c'est lui qui m'honore, mimi nitamheshimu, moi aussi je vais l'honorer. Ce que nous faisons kenye tunafanya pour lui kwa ajili yake c'est notre salaire en retour, ndio malipo yetu kwa kutulipa. Kama tuna négliger neno la Mungu, si nous négligeons la parole de Dieu, nous négligeons Dieu. Pale tuko na zarau Mungu yeye mwenyewe. Na Mungu atatushurikia. Dieu va prendre soin de nous pour cela. Patia neno la Mungu fasi ya kwanza. Donne la parole de Dieu la première place. Kuliko vitu vingine vyote. Plus que toute autre chose. Mungu ataona ile. Et Dieu verra cela. Atakushurikia. Et il va prendre soin de toi. Inclinons nos têtes.
chini ya damu yako baba yetu tuko nyumbani mwako kwa sahi tukubaliwe na wewe juu ya kazi ya msalaba tunakuja hivi tulivu tunajiona tustahili baba mungu mtukufu tungali wazaifu tunakuomba ondoa uzaifu wote utupe barini ya kusahau utupe tukue washuja Pourquoi vous chantez à part que si maman il parle dans les années de ta parole? De comprendre et de vivre ta parole. Enlève toute paresse. Ou touche ou vivouilloté. Donne-nous à être des vaillants. Parti à qui la dame musimambo. Donne à chacune des sœurs la parole. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aussi recevez les salutations des enfants de Dieu de Kanyabayonga. Je suis venu à la réunion des serviteurs de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, je peux retourner le même lundi après la connexion. Je ne sais pas si je peux apporter vos salutations. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pasteur Sem, il peut venir saluer l'église. Je salue l'Église dans le nom grand de notre Seigneur Jésus-Christ. Les bien-aimés, ils m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ, l'Assemblée de Kalehe, Ihusi et Aishov. Que Dieu soit richement béni. Est-ce qu'il y a-t-il un autre serviteur de Dieu qui peut venir saluer l'Église? Que Dieu vous bénisse. Recevez les stations de Bunagana au nom de Jésus-Christ. Pasteur Kitenge. Pasteur Kitenge. Wateng. Wateng Fungurume. De Teng Fungurume. Allez, tout ma salam. Il a envoyé ses salutations. Tunazi Pokea. Est-ce que nous les recevons? Ok. Kuna Shukurani. Il y a les remerciements. Nduguyetu Abba. Notre frère Abba. Anashukuru Mungu. Il remercie Dieu. Kumufungua mke wake. Pour avoir fait accoucher son mzigo wa mimba. Kwa njia ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Lele namba 126 mu vitabu vyetu ya politique sélectionnée. 126. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Thank you.
wasiokuwa na tumaini lolote. Unatetemeka sana kuhangaisha mawazo, na ijapokuwa hatuna uwezo wa kujiongezea hata senti moja tu juu ya maisha yetu hapa chini ya jua. Na jina lako Bwana wetu Yesu Kristo. Juu ya mahitaji ya watoto wako ambao iko adresse kwako. Uzikubali Baba. Uzijibie. Wakusafiri wasafiri chini ya kimvuli ya mkono wako. Wenye wagonjwa kwa vidonda vyako. Uponyaji ingie ndani ya miili yao dhaifu. Mili ambayo ina jangufu itakuja kukuabudu. Adui apate haya kwa mtu tuendelee kutukuza jina lako. Ubarikiwe milele jina la mkombozi wetu Yesu Kristo. Na tunakaribisha ndugu Ashile Katembo. Nous approchons frère Ashile Katembo. Aje kujieni kutupakulia neno la Mungu.
Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous prie de vous lever pour lire la parole de Dieu. Dans le livre des Romains, chapitre 8. Romains chapitre 8. Roma suramnani. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La somme katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Najua basi ya kwamba mambo yote yanashirikiwa mema wenye kumpenda Mungu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Na wenye wameitwa kulingana na kusudio lake mwenyewe. Encore une fois, ce soir, tena, jioni ya leo, e Mungu, accorde les bénédictions à tes âmes ici présentes. Pana baraka kwa nafsi zako hizi hapa. Toute personne qui a abandonné son bien, yote ambaye aliacha vitu vyake, et son travail, ses services, na kazi yake na kazi zake, pour arriver ici, ili apate kufika asirudie mikono mtupu. Ouvre-nous les portes et les fenêtres. Utufungulie milango na madirisha mbinguni. Et voir ta pluie de la parole. Onyesheshe mvua ya neno lako. Et que chaque âme soit refreshée. Na kila nafsi iburudishwe. Et utilise-nous seulement comme de vase. Na ututumie tu kama vile vyombo. Après avoir pardonné nos iniquités, baada ya kusamehe maovu yetu na dhambi zetu zote. Et nous permettons toute requête de maladie dans cette église. Kila hitaji ya magonjwa katika kanisa hili. Et toi-même par ta puissance. Wewe peke yako kwa nguvu zako. Guéris chacun de nous. Upate kuponyesha kila mmoja wetu. Bénis encore une fois les anciens qui m'ont accordé leur chair. Bénis chacun d'eux, chacun par son nom d'une manière particulière. Bénis les diacres que nous sommes pour le service de ton peuple. Bénis tous les croyants, les laïcs qui sont venus pour te consacrer leur vie. Sauve ceux qui doivent être sauvés parce que tu connais la prédestination destinée à chacun de nous. Guéris chaque maladie et aussi exauce chaque prière sur le droit de nos requêtes au Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes venus pour la bénédiction contre la malédiction de chacun de nous, contre l'ombre de la mort, contre la vie, parce que tu es vivant. Nous sommes obligés d'être vivants par Jésus-Christ ton Fils, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous lisions hier, n'est-ce pas? Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, kama Mungu ni kwa upande wetu, qui sera contre nous? Nani atakayekuwa zidi yetu? Dieu est pour nous, Mungu ni kwa upande wetu, parce que Dieu nous a révélé sa parole. Kwa kuwa Mungu alitufunulia neno lake. Il n'a pas abandonné Abraham, hakuachilia Abraham, sans lui avoir révélé ses secrets. Pasipo kumfunulia siri zake. Il nous a parlé de ses secrets. Atuzungumzia juu ya siri zake. Pour cet âge, kwa ajili ya kizazi hiki. Un âge de tueurs, kizazi cha vuguvugu. Un âge pécheurs, kizazi cha zambi. Dans une église qui n'a même pas des horloges de Dieu. Ambazo hazina makutu makubwa ya Mungu. Il nous a dit, alituambia, venez acheter de moi. Muje muze kwangu. C'est pour cela que nous sommes là. Ndio maana tumekuwa hapa. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atujalie neema. Si Dieu est pour nous, kama Mungu ni kwa upande wetu. Oui, s'il veuille bien nous révéler ses secrets dans cette âge. Kama anapenda tufunulie siri zake katika kizazi hiki. Alors personne ne peut être contre nous. Asa hakuna mweza kuwa zidi yetu. Pas même nous-mêmes. Na hata si wenyewe hatuwezi kujipinga. Alléluia. Amen. Il est plus fort que nous. Yeye ni mwenye nguvu sana kutushinda sisi. Nous lisons ce qui est écrit dans Isaïe. Nasoma kile kilichoandikwa katika Isaya. Chapitre 55. Isaya sura 5. Vous tous qui avez soif. Nyote ambao mnakuwa na kiu. Par rapport à l'âge kulingana na kizazi ambamo tunakutanika ndani, vers la fin de cet âge, kwenye mwisho hiki kizazi, il est écrit que ce qui s'est passé à l'époque de Sodome, kile ambacho kilipitikana kwa wakati wa Sodoma, se passera aussi, kitakuwa pia, ça déjà il y est, na ile imeshapitika. Presque tous les présidents européens, karibuni wa raisi wote wa kiropa wa Amerika, wale wakubwa wote wa kidini, sont des sodomites, wote ni wa kisodoma. Aujourd'hui, prendre Léo Kuchukua, la marijuana ou marijuana, le chanvre, bangi, ce n'est plus un problème. Haikote na shida. C'est déjà officialisé. Imekubaliwa kabisa. Aux États-Unis, uko
États-Unis, la France elle-même, ou le France, sans parler de toute la folie des Anglo-Saxons. Aujourd'hui, fumer le chanvre est quelque chose d'officialisé d'une manière internationale. Aujourd'hui, il y a menace ici, chaque président qui n'accepte pas la vie de Sodome et de Gomorrhe dans son pays. Hakubali maisha ya Sodoma na Gomorrhe katika nchi yake. Mais j'ai essayé de résister. Uganda walijaribu kuweza kushinda na ile lakini haikuendeka. Il y a un boycottage. Ulikuwa kwenda kando. Si chaque président du monde kwa kila rais wa dunia. Qui refuse les homosexuels anakatala wa homosexuels au lesbiennes kuweza kwa pamoja. Cette maman. Yule mwanamke. Allemande. Ule mwalmani mujimani. Lorsque on a fait passer le président qui est sur le trône aujourd'hui aux États-Unis, il a fait passer un message destiné au président Élie. Nous voulons bien que Donald passe, à condition qu'il revoie la condition de la liberté dans le mariage. Quelle liberté? Plutôt le libertinage. Libertinage, c'est-à-dire kufanya sexe gisi unataka, nafanya tendo ndoa gisi unapenda. Voilà la condition que l'Europe lui a donnée. On a shooti ambayo Europe ilimpatia. Et l'Occident domine sur le reste des pays du monde. Yote inatawala kwa du monde entier. Ya la sodomie a yote, le milieu qui passait pour la milieu, le milieu pillé. Il y pite le monde qui a été fait à Sodoma. C'est une invention de Satan. Il est ni machambulise ya Shitani. Et l'église devrait prendre soin. Na kaisi le pacha kushubulika. Et se protéger contre ces gens. Na kujilinda na yizidi ele mambo yote. Parce que c'est la chose qui attire la colère de Dieu. Si la terre. Kasirani ya Mungu hapa kudunia. Comme Franck nous a dit. Kama vile ndugu Franck a dit. Le vrai mariage aujourd'hui. Doa ya kweli leo. Le mariage biblique. Doa ya approuvé par Dieu. Ambo inakubaliwa na Mungu. Ne se trouve combiné du message biblique. C'est le ujumbe wa kibiblia. Ailleurs, il y a pas de mariage. Kule fasi ngine hakuna ndoa. Il y a que divorce. Kuna kwa tu kawanyika, talaka. Et le pape Francesco, qu'est-ce qu'il a dit? Na, papa François, alisema nini? Qui ne reconnaît plus. Anasema hakubali tena le mariage. Ndoa. Il laisse la liberté à toute chair. Anaachia kila mwili uhuru. Alors, tu veux te marier à 14? Sa kama unapenda kuoa 14 sana, saa 11. Le mari prend une autre femme. Na magharibi mwanaume anakamata mwanamke. Avant de se présenter à l'église, la femme couche avec ses amis. Na unafika pale kanisa, mwanamke analala na rafiki zake. Il y a l'option de mariage. Na hakuna tena upako ya ndoa. Il y a le traditionnel de Bible. Tokea mwanzo sura 2. Sur la date et toute la Bible, la communauté n'a pas parlé. Il n'y a plus de mariage sérieux. Même dans le milieu du message, c'est plein de mensonges, de vœux, manaziri, faux, zabongo, auprès des parents, kwa wazazi, et auprès des anciens eux-mêmes. De manière que le diacre eux-mêmes ne sache plus, ça wa shemasi, il ne sache plus sur quel pied d'assis. Heureusement, heri ni le docteur de notre âge nous dit, yule mwalimu akisema kitu anatuambia, bien qu'il y a beaucoup de folie dans le milieu de l'église, kunakuwa wenda wazimu wingi katika kanisa, et des assemblées chrétiennes, katika makusanyiko za Kikristo, neyamwe, lakini, il y a un reste, kunakuwa mabaki, que Dieu appelle aujourd'hui, ambayo Mungu anaita kwa leo, la colonne, ambayo anaita nguzo, et la pile de la vérité, na tegemeo ya kweli, c'est sur elle qu'il compte, asa ni juu ndio anatazamia. Faire sa dernière action. Anapenda awezi kutenda tende kazi yake ya mwisho juu yao. Il s'apprête pour cela. Wanajitayarisha kwa ajili ya ile. Malgré les faiblesses. Ijapokuwa maudhaifu. Ils sont là. Wao wako wako. Parce que Jésus Christ a sauvé. Yesu aliokoa. Dans notre âge. Katika kizazi chetu. Il y a aussi ceux qui sont sauvés. Huko pia wenyewe wameokolewa. C'est à eux qu'on s'adresse. Asa niko njoo anazungumzia. Alléluia de Dieu. Kwa yule mteule wa Mungu. Predestiné.
aliyetangulia kuwekwa ili accompli son œuvre au travers de Mungu apate kutimiza kazi yake kwa njia yake. Il faut qu'on les encourage. Asi inafaa tuwatie moyo, tuwahimize. Na ni juu ya ndio tunakuja hapa. Apate écouter l'exhortation sur la prière. Sikia maonyo juu ya maombi. Et des autres messages des anciens d'autres prédicateurs. Na ni kama ujumbe wa wazee wetu. Nous venons encore pour vous lire les promesses de Dieu. Tuwasomee ahadi za Mungu. Vous tous qui avez soif. Nyewe wote ambao mnakuwa na kiu. Venez aux eaux. Monte kwenye maji. Même celui qui n'a pas d'argent. Hata mwenye hana fedha. Venez acheter et manger. Ununue na mkule. Venez acheter du vin et du lait. Ununue mvinyo na maziwa. Sans argent et sans rien payer. Fedha na pasipo kulipa lolote. Pourquoi passez-vous de l'argent pour ce qui ne vit pas? Kwa nini mnatumia fedha kwa kitu nyeti? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Kwa nini kishibishe? C'est-à-dire les choses qui ne satisfont pas. Mambo yenyewe itosheshe. L'existence éternelle de votre âme. Yenyewe hawezi kutosha nafsi yako. Écoutez-moi. Mnisikilize. Mtafazame sa somo. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Huyu ni mwana wangu mpendwa. Écoutez-le. Mumusikilize yeye. Et Pierre qui dit. Na Pietro anasema. Oh mes frères. Ndugu wapendwa. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Na wote mnyapatikana pale Yerusalem. Écoutez-moi et prêtez l'oreille. Mumusikilize na mtege sikio. À mes paroles. Kwa maneno yangu. Et à Paul de dire aussi. Na Paul pia akasema. Si quelqu'un est spirituel. Kama mtu fulani ni wa kiroho. Qu'il sache que ce que moi je vous écris. Ajue ya kwamba kile mimi nawaandikia. C'est un commandement de Dieu. Ni amri ya Mungu. Aujourd'hui Dieu nous a envoyé un prophète. Na leo Mungu alitumia nabii. Oui, le prophète après le prophète est un docteur. Ndio alitumia mwalimu pour nous faire comprendre. Il a tueleweshe l'exactitude des écritures. Et usahihi wa maandiko. C'est de là le commandement. Na hiyo ndio amri. Le premier commandement. Amri ya kwanza. D'après le maître Jésus-Christ. Kulingana na mwalimu Yesu Kristo. Écoute-moi ô Israël. Kwamba nisikilizeni enyi Israël. Cette fois dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 chapitre 3. Na mara saba katika kitabu cha celui qui a des oreilles, mwenye kwa na masikio, qu'il écoute, asikie, qu'il entende, asikilize, qu'il écoute, asikie. C'est le premier commandement de Dieu. Yile njo hamu ya kwanza ya Mungu. Écoute, kusikiliza. O Israël, e Israeli. Le Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, est l'unique, ye ndiye, Seigneur, Bwana pekee. Comme qui dirait Adonai, ngesema ndiye Adonai. Et ça c'est plus que Adonai. Na tena iko zaidi ya Adonai. Adonai signifie. Adonai maana yake ni kusema. Le Dieu que je sers. Mungu mwenye mimi natumikia. Comme Paul le dit dans les Épîtres. Vile Paul anasema katika manyara. Je serve le Dieu de mes pères. Kwa natumikia Mungu wa baba zangu. Parce que maana qu'on appelle Seigneur. Muita sa Bwana. On pouvait l'appeler Jésus-Christ. 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 Jésus. Mais dans le Nouveau Testament. Il était dans le Jipia. Depuis la Pentecôte. Toqué à Pentecôte. Il se révèle comme le Seigneur. Nous avons comme vie le Bwana. À qui nous devons l'obéissance. En bas, tu n'as pas à compter. À toutes choses. Katika mambo yote. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Anjo kenye Bwana na tudai. Écoutez-moi donc. Munisikilize basi. Ah oui. Dio. Si on écoute, kama tunamsikiliza, on mangera ce qui est bon. Tutakula kenye kuwa njema. Alléluia. Amen. Si on a la chance d'attraper, kama tunakuwa na bahati ya kupata, l'un des serviteurs de ce serviteur. Umoja wa watumishi wake. Oui. Dio. Le ministère de Christ. Et huduma ya Kristo. Que Job appelle l'un d'entre les mille. Yoba naita moja katikati ya. L'un d'entre les mille. C'est-à-dire que c'est lui-même. Et ce qu'il a appelé. Na wale ambao aliwaita. Si on parvient à les rencontrer. Kama tunafikia kumkutana. On mangera ce qui est bon. Tutakula kenye kuwa njema. Et manger c'est quoi? Na kukula ni nini? Je a mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Nitakula chakula ambacho hamjui. Ninakula chakula kenye hamjui. Ndio. Ma nourriture consiste. Chakula yangu ni kwamba. D'abord, premièrement, comprendre les écritures. Kwanza kuelewa maandiko. Et les accomplir. Na kuyatimiza. Le mettre en pratique. Ni kusema kuyatia katika matendo. C'est ce qu'on appelle manger ce qui est bon. Ile ndio wanaita kukula kenye kuwa njema. Ça ne peut se faire qu'après l'audition. Inapasha kufanyika tu ni baada ya kusikia. Dès qu'il dans cet ange. Ya huduma katika kizazi. Tel que William Marie Branham. Kama vile William Marie Branham. Le docteur Ewa de Franck. Mwalimu Ewa de Franck. Les disciples de Jésus-Christ. Na wafuasi wa Yesu Kristo. Qui sont définis comme étant. Ambao wanaangaliwa kama vile kuwa. Ah oui, les domestiques de sa maison. Wafanya kazi ndani ya nyumba yake. Qui savent où tirer la nourriture. Wenyewe wanajua ni wapi kutosha chakula. Alléluia. Amen. C'est uniquement là qu'on peut manger ce qui est bon. Ni pale tu niweza kukula kinyekuwa bora. C'est là-bas que
tu sauras ce que tu dois mettre en pratique. Ailleurs, ce sont les dénominations qui sont en train de mourir. Voilà pourquoi il y a le commandement. Comme nous allons le lire. Sortez du milieu de mon peuple. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous approcherai de moi. Je vous accueillerai. Je recevrai tout en vous pardonnant. Ne vous impliquez pas. Ne vous impliquez pas vos péchés. Ah, si, pourquoi il bien, c'est ce que la Bible appelle je vous accueillerai. Ce n'est pas que vous êtes digne. Non, vous n'êtes pas digne. Ah, mustahili. Ce n'est pas que vous pouvez faire quelque chose d'agréable à Dieu. Celui qui peut faire quelque chose d'agréable à Dieu, au travers vous, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Na passi pour yé, tu es le loté. Voilà pourquoi nous venons encore ce soir. Nous devons davantage de pour que nous puissions mettre la parole en pratique. Et que vous allez, église de Goma. Nini kanisa la Goma. Et votre âme se délectera de merci qu'il a. Nafsi yenu tafurahia chakula yenye kuwa bora. Fini na posho pupu, écoutez. Kama tunakaribia juu kusikia. Nos âmes se délectera de merci qu'il a. Asa nafsi tafurahia chakula yenye kuwa bora. Ça c'est psaume 23. Lisons ça ensemble pour ce meilleur moment. Il est chakula yekwa tamu. Verset premier. L'Éternel est mon berger. Bwana ni mchungaji wangu. Je ne manquerai de rien. Si takosa kitu. Je ne manquerai de rien. Si takosewa na lolote. Pour tous ceux qui ont cru ce message. Kwa wote ambao waliamini ujumbe. Avec un cœur sincère. Pamoja na moyo wenye ulikuwa na unofu. Ils sont dans la brousse. Hata kama wako kule mpori. Nyarubande. Kule Nyarubande. Ils ne manqueront de rien. Hawatakosa lolote. Ils ne manqueront de rien. Hawata kosa lolote. Pour ce qui concerne la révélation de la parole. Kuhusu ufunuo wa neno. Dieu le fera parvenir quelqu'un. Mungu atawafikishia mtu fulani. Oui, qui va leur donner de merci qu'il a. Mwenye atawapatia chakula yenye kuwa tamu. Comment il fera? Namna gani atafanya? Pour ceux qui sont walikali. Kwa ajili yenye kuwa kule walikali. Je ne sais même pas. Sijui hata. Est-il que lorsque je suis parti à Moroto, yawezekana wakati nilipoenda kule Toronto kule Uganda karibu na Sudan. J'étais stupéfait de voir ces gens là. Quoi, John Mark, de faire qui vous rassemble, qui ont la même foi que vous, et qui de par leur nature sont des nudistes. Oui, oui. Dieu. Mais Dieu leur avait donné le Saint-Esprit. J'ai vu une caramojon de parler à l'âme. J'ai vu un jeune garçon ougandais interprété en anglais. Waki wa Uganda akitafsiri kwa Kiingereza kama vile katika wakati wa Biblia. Je ne pense pas avoir vécu cette expérience ici. Ah, ça c'est ça, Nicolas Manisha, ouais, ça courait ma chose hapa. Mais j'ai vécu ça. Lakini ile niliishi kule. Loin d'ici. Mbali na hapa. 1200 km de Goma. Kwa zaidi ya kilomita 1900. Eh oui, bien partout. Mungu iko fasi yote. Et il sauve qui bon lui semble. Na anaokoa mwenye anapenda kokoa. Je ne manquerai de rien. Si takosewa na lolote. Et toi ne manques de rien. Na wewe usikose kitu. Parce que toute la table est garnie. Kwa cha meza yote imepangwa na chakula. Il y a la loi de Matthieu 24. Unakuwa sheria ya Mathayo 14. 45 jusqu'à 47. 45 mpaka 47. Et le serviteur fidèle. Ni mtumishi gani yule mwaminifu na mwangalifu. Que son maître. Ambaye bwana wake. A établi sur les domestiques de sa maison. Pour leur donner la nourriture. Wakati unaofaa. C'est nous les prédicateurs qui sommes. Sisi wa njo yenye tumekuwa pale. Mais one Frank had ça tout donné. Ndugu Frank alishapanda yote. Oui. Asinje tumekuwa sawa vuvu. Lakini tunakuwa tu na kuchelewa kwa sababu. Vous avez des prix par rapport à la porte de la parole. Vous aurez ou pouvez t'aller. Vous ne comprenez même pas l'action du Seigneur. Na sasa tuelewe kazi ni. Bali kuna tena. Tout ce qui vous concerne. Yote inayowahusu. Est déjà là. Imesha kuwa pale. Priez l'Éternel. Muombe Bwana. La moisson est grande. Eh, mavuno ni mengi. Mais il y a très peu de ouvriers. Lakini kuna kwa wafanyakazi wachache. Priez le maître. Sasa muombe Bwana. Oui, parmi toute la foule de ministères. Katikati ya ile kundi yote na huduma ili Mungu atutumie la pluie de l'enseignement ile mvua ya mafundisho c'est ce qu'on appelle prier le maître Dieu wanaita
kuomba Bwana pour qu'il envoie ili atume ses serviteurs, ses ouvriers, watumishi wake dans son champ, katika shamba lake. Même Achille se plaçait ici aujourd'hui, na hata Achille kusimama hapa leo, c'est l'objet de vos prières. Hiyo ndio sababu ya maombi yenu. Et ce n'est pas que je ne tremble pas, na si kwamba sitetemeke. Non, hapana. Je voudrais que Dieu vous donne ce message qui là. Napenda ya kwamba Mungu awapatie chakula yikuwa tamu. Nourriture spirituelle autant qu'on veut. Chakula ya kiroho wakati unaofaa. Pourquoi nous mangeons? Kwa nini tunakula? C'est pour étancher une famine. Ni ili tuweze kukomesha njaa. Et après que la famine est ôtée. Na baada ya kwamba tumeondosha njaa. Qu'est-ce que nous retrouvons? Tunapata nini sasa? La force. Tunapata nguvu. La vigueur. Tunapata uhodari. Pour continuer en voyage. Ili tuendelee katika safari. Oui. Dio. Un travail na kutumika. Ou alors notre existence. Au basi kukua kwetu. Voilà pourquoi nous mangeons. Tazameni kwa nini tunakula. Il me fait reposer dans de vrais pâturages. Ananipumuzikisha katika malisho bora. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de fausses doctrines. Tazameni kwa nini hatuhitaji mafundisho ya bongo. Ni des interprétations de qui que ce soit. Wala matafsiri ya izuru mtu gani yule. Nous voulons nous reposer dans la vie. Tunapenda tupumuzike katika kanisa hii ya Temka. Nous reposer. Tupumuzike. Esperant que j'irai à l'église. Tukitumaini ya kwamba nitaenda kanisa. Pour avoir encore la force. Il tena ni pate nguvu. Non pas pour que ma force diminue. Hapana ya kwamba ili nguvu zangu zipunguke. Non, pour que ma force soit renouvelée. Ili nguvu zangu zifanyike tena kuwa upya. C'est la nourriture des aigles. Kwa kuwa ni chakula ya wanatai. Les jeunes gens peuvent se fatiguer. Eh, wa vijana waweza kutoka. Et les vieillards aussi en avoir marre. Na wa mzee pia kuchoka. Lakini wenye kutumainia Bwana. Ils sont comme des aigles. Wao ni kama vile tai. Ili renouvelé. Wanafanya kuwa upya nguvu zao. Nguvu zao wanazifanya kuwa upya. Kwa El Shaddai. Le Dieu qui a des manèmes. Mungu mwenye kuwa na maziwa. Oui. Ndio. Ili apate kulisha. Et l'église est nourrie. Na kanisa linalishwa. Les riches promesses de Dieu. Na mwenye kulisha ni Mungu. Parce que Dieu nous dit. Kwa kuwa Biblia inasema. Heureuse celle qui a cru. Et mwenye heri yule mwanamke aliamini. C'est à cela la qu'on s'adresse. Ni kwa wale ndio wanazungumzia. Parce que les choses qui lui ont été dites. Kwa mambo ambayo ilimwambiwa toka kwa Bwana. Itapata. Itapata. Accomplissement. Kutimilika kwake. N'oubliez pas que vous êtes déjà dans la vision. Muko katika ono. La vision de Malachi. Ono ya Malachi. Oui. Dio. La vision du retour. Ono ya kurudi kurudilia imani ya baba zetu. Nous sommes l'accomplissement. Sisi ndio timiliko. Jusqu'à atteindre. Mpaka kufikia. La foi de nos pères. Imani ya baba zetu. Et évitez tout ce qui peut porter le scandale. Na kuepuka yote kuleta kikwazo. Au préjudice de l'évangile. Kwa ajili ya kukwaza na injili. Voilà pourquoi vous êtes là. Tazameni kwa nini mko pale. Oui, il me fait reposer. Ananipumuzikisha. Priez pour que l'assemblée de Goma se repose. Ombe kwamba kanisa la Goma iweze kupumuzika et kulia. Repose dans des bénédictions extraordinaires de katika baraka za kipekee ya mafundisho ya maonyo ya kukumbusha maneno. Et non pas de l'esprit de critique. Na hapana kuwa na roho ya kusengenya. De mépris. Ya kudharau. Oui. De médisance. Ya kusema mabaya wengine. Il manque de respect à l'action divine. Ya kukosa heshima kwa kazi ya kiungu. C'est un blasphème. Ile ni kukufuru. Vous devez prier pour l'action du Saint-Esprit. Unapasha kuombea hii kazi ya Mungu takatifu hapa. N'éteignez pas l'esprit. Musizimishe roho. N'éteignez pas l'esprit. Musizimishe roho. Et tous ceux qui sont conduits par l'esprit. Na wote kuongozwa na roho ya Mungu. Ce sont là seulement. Ni wale tu. Des fils et des filles de Dieu. Wale na binti wa Mungu. Et c'est ce que nous sommes. Na ndio kinye tuko. Notre nouvelle naissance. Kwa njia ya kuzaliwa upya kwetu. Il faut que dans l'église du Seigneur. Unafaa katika kanisa la Bwana. Les femmes se reposent. Nafsi zitulie zipumzike. Tout en se nourrissant. Kwa kukula. De la parole du Seigneur. Kwa kula neno la Bwana. Oui. Dio. Il me dirige. Près des eaux paisibles. Ananiongoza kwenye maji matulivu. Près des eaux paisibles. Kwenye maji matulivu. Dieu ne te dirigera jamais chez les tonnistes. Mungu hata kuongoza kamwe kwa watu wa mingurumo. Dieu ne peut pas t'amener chez les polygames. Hawezi kubeba kwa polygames, kwa watu wanawake wengi. Dieu ne veut pas que tu résistes auprès des faux enseignements. Mungu atapenda ubaki kwenye kwa mafundisho ya bongo. Ça, ça n'est pas Dieu. Ule haiko Mungu. Ça, c'est le diable. Ule ni shetani mwenyewe. Toute interprétation qui la tafsir yote est une pensée humaine ni wazo ya kibinadamu. Et dans Matthieu 16 na katika Matthieu 16 chaque pensée de l'homme qui la wazo ya mwanadamu. Regarde les écritures kuniwe na maandiko. C'est la pensée du diable. Ile ni wazo ya shetani. Wala na pas besoin hatuhitaji.
Il me conduit dans le sentier de la justice, de la parole, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de la mort, oui, nous disons tout ça à propos de la sodomie qui hante les nations. Le dernier signe avant la colère de Dieu, la sodomie, la beauté des femmes, oui, Dio, la poursuite des frères en Christ, il est kushambulia wandugu katika Kristo, aux femmes du monde, ah wandugu kwenye kufatilia fatilia wanawake wa dunia. Oh, c'est le dernier signe, il est Dio alama ya mwisho, qui est accompli, yenye iko natimilika, parce que tu nous amènes une catholique, kwa kuwa unatuletea hapa mkatolika, une protestante, mprotestante, une personne de veille de prière, mtu mwevu wa machunga maombi kule, et tu l'amènes ici, na unamleta hapa, elle se fait baptiser, anajibatizisha. Mais tu as compris ce que le Seigneur mais a dit. Dans Genèse chapitre 6. Mwanzo sura 6. Le fils de Dieu. Wana wa Mungu. Véritable. Wa kweli. Vire que les filles des hommes. Wakaona kwamba wabinti wa watu walikuwa warembo. Ils en prirent. Na wakachukua kati yao. Tu es tout flâne en bas et tu es en comme un vilain mwanamke. Mais tu ne l'es pas. Lakini kwa kweli si mwanamke. L'expression de Moïse. Tazameni tamsha Musa. Ils en prirent pour femme. Wakawakamata kama vile wanawake. Wakawakamata kama vile wake wao itakila kwa wanawao. Asa ni wangapi wako na wale wanawake wa vile mwaika nisa temka. Oui, la parole reste la même. Dio leno abakia ile ile. Repentez-vous. Tubuni. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Na kila moja wenu abatizwe katika Yesu Kristo. Ensuite dans chapitre 3 les actes. Na kisa kwa sura ya 3 ya Matendo ya Mitume sema tubuni. Repentez-vous. Na muongoke. Ensuite Dieu vous donne l'esprit. Kisha Mungu anawapatia roho. Comme au jour de la Pentecôte. Kama vile kwa siku ya Pentecôte. C'est aussi la promesse pour cet âge. Dio pia ni ahadi kwa kile kizazi. Mutubu. Repentez-vous. Mutubu. C'est toutes ces femmes que vous touchez. Ya wale wanawake wote mko mnagusa. Des jolies femmes que tu mets dans ton entreprise. Wanawake wa rehemu yatia mule mkanisa. Oui, dans ton entreprise. Katika kazi yako. Tu le mets comme secrétaire. Unamtia pale kama vile secrétaire, kama vile comptable. Comme caissier. Kama vile mlingazina. Comme huissier. Kama vile huissier. Comme une agente de cleaning de propriété. Kama vile mwa kufanya usafi. Et tu es content. Na unafurahi. Et tu es en train de te monter tout. Ça y konekesha. Yote yenye kutisheko ya shetani. Et tu te retrouves en bonne santé. Unashikutana huko mwa afya njema. Mtumishi wangu. Unasema ah sasa mwa sasa vitasema sasa ante unja na mshi yako. Sasa si ma secrétaire. Sasa ma client. Kama haiko huyu. Si c'est pas celle-ci en tout cas. Bibi yangu iko folle. Ma femme elle est folle. Et voilà comment ça commence. Sasa ona ngizi binanzaka. Tout en méprisant sa propre femme. Tena unafikia na kuzarau mwanamke wako. Mais elle est témoin. Bwana ni mshuhuda. Entre toi. Wewe kati yako wewe. Et la femme de ta jeunesse. Na yule mwanamke ujana wako. Aujourd'hui. Ambaye kwa ajili ya leo. Tu es infidèle. Unakuwa mtu asiyekuwa na mwaminifu. Pourquoi tu laisses ma wazo yote ya kusaka. Pourquoi tu portes toutes les pensées de prostitution. Oui. Oui. Barseba. Et on dit. Toutes mauvaises. Toutes mauvaises œuvres. Kazo tumbaya. Ma bise kwa bibi nyara koma. Les baiser avec les femmes qui ne sont pas les tiennes. Kwa papa, kwa papa se fasse. Vous les palpez partout. Dawe sœur. Et toi sœur. Moi on sait me confier de Dieu. Il dit que tu es sœur des filles de Dieu. Vous ne faites pas que papa se met sur nous et n'avons pas. Et tu es dans Sodome et Gomorre. Vous n'appliquez pas tout le monde dans le comme vous oubliez. Ce ne sont pas écrits dans la Bible. Moi pas qu'on a jamais dit ça. Toi même tu te gâches. J'ai ma passion et femme. À cause des passions des femmes. Et vous les hommes, vous trouvez les gens qui vous appellent n'importe comment, on t'appelle, oh, tu es beau, tu es beau gars, tu es ci ou cela. Et tu te laisses faire devant la personne. Oh non, 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 non. Non. La Bible dit, ce sont des femmes chargées de péché. Oui, on ne peut pas faire des zambi. Moi, je ne peux pas faire des zambi. Bakalani wa shetani, les porteurs de péché, animés des esprits de passion de wenye wanakuwa na kila aina yote ya roho mbaya. Oui, une femme mariée, la femme est mariée, moi je l'ai mwenye kuna mume wake, et ta s'approche de toi, na mwenye na kukaribia wewe, il est à kutongoze. Est-ce que tu crois qu'elle est envoyée par le Seigneur? Unaamini ya kwamba ametumwa na Roho Mtakatifu? Là où le diable lui-même ne va pas, wenye shetani yepeke haendake, il envoie une femme, anatumaka mwanamke. C'est la saison pour les élus de Dieu. Ah, ça pousse ou à Mungu de s'abstenir de toutes choses antidiables. Pour que qui la quitte à ville. Quand je marche dans la vallée de
de l'ombre, de la mort, c'est une promesse. Je ne crains aucun mal. Même pas une sodomite. Même le bienfait de sodomite, de la sodomite. Et les entreprises telles qu'elles ont échoué. Quand je marche devant eux, même si elles se démunissent, quelle porte de mini jupe, quelle porte de colère extraordinaire, ville. Qui met en relief leur corps. Je ne crains aucun danger. Si au groupe à terre et yote. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi? Na kwa nini? Parce que la Bible dit fuyez la félicité. Mukimbie wa sherati uchafu. Fuyez. Mukimbie. Si c'était pas seulement une promesse de Dieu, comment je me mets tout couvert à dire mon nom? Hautakuwa na kibaki chochote kile. Seulement la parole pour la mettre en pratique. Neno tu ya fatu ulitie katika matendo. Je ne crains aucun mal. Siogope ubaya wote. Et pourquoi je ne craindrai pas? Na kwa nini sitaogopa? Oui. Dio. Eh oui. Car tu es avec moi. Kwa kuwa wewe ni pamoja nami. C'est sur ça que je méditais dans ma chambre. Il est venu quoi la tafakari ya kukule mchumba yangu. Dans les milliers musulmans d'Emirats arabes. Et pour le monter, ça ne quoi pour les milliers manches arabes. Oui, avec toutes les prostitutions. Dieu pour moi, j'ai le washeret et haut, il y a un angizé qui a coulé ou ami wa islam. Les femmes qui te jettent des regards et vous chantent. Watu wanawaki wanakola na macho ya kutongoza. Good morning, good afternoon. Eh, habari gani? Habari ya magharibi? Uko namna gani? Good night. Eh, usiku mwema. Et l'esprit me disait, il est là. Na wewe kuna niambia iko pale. Il est là. Yeye iko pale. Voici, je suis avec vous tous les jours. Tazameni mimi ni pamoja nanyi siku zote. Jusqu'à la fin du monde. Mpaka mwisho dunia. Voilà, il est là. Dio iko pale. Tosha ni kwambe, il est là. Note pas ton panier, il est là, iko pale. Vous êtes juste les magies pour ça. Il est là. Ne sens pas tes jupes, iko pale. Amen. Tu es dans quoi avec vos mukandara et consorts? Tu es dans quoi dans le vol? On a Sengenya, il est là. Tu me dis, il est là, il copane. Attends, vos prédicateurs. Même si tu es prédicateur, ne me dis pas. Attends, vos diacres. Aussi Sengenya. Diacre, il faut pas me dire. Laisse tes blagues. Il est là. Yeye, il copane. Amen. Zina Kendo, je suis. Anaitwa mimi niko. Il faut que tu l'aies comme ayant ton il. Et nous devons accepter que c'est lui le je suis. Il est si vous prêchez les faussetés, yeiko pale. Il ne sera pas content de toi. Jamais. Kamwe. Il est là. Yeiko pale. Ah oui, je ne crains pas pourquoi. Si au groupe, quoi nini? Car tu es avec moi. Quoi, quoi, au groupe, à moi, j'en ai. Tes enseignements, tes exhortations, ma fundisho yako, maonyo yako, te rappelle à la parole. Il a kumusha maneno. Ton esprit qui me demande de prier. Oya kwenye niomba kwamba ni ombe. Donc tu l'as dit, ta roulette et ton bateau. Nous appelons gongo yako na fimbo yako. Les écritures. Maandiko. Les promesses. Ma ahadi. Me rassure. Zina nipatie ujasiri. Même à ta mère, on kufunga. Même si on vient t'arrêter, tu dois être rassuré. On n'a pas chacun notre ujasiri. Angalia kwa mulifu ya maandiko. Il faut voir là où tu as faussé les écritures. Nomwambie Mungu. Et dis à Dieu, je n'ai rien fait de mal. Sikufanya kikote kibaya. Rassure-toi. Asa ukwe na ujasiri. Même si tu as péché réellement. Hata kama kweli kweli ulifanya dhambi. Va te repentir. Wende utubu. Que l'âme soit rassurée. Ili nafsi iwe na ujasiri. Chaque jour. Kila siku. Tu dois avoir la certitude. On a pas chacun au akika. Silence. Na ujasiri. Il est là. Ya kwamba iko pale. Amen. Alléluia. Amen. Avant de couler sa bougie, il faut pas vraiment que tu puisses t'éteindre comme une bougie. Non, non. Non. Il est là. Ye iko pale. La Bible dit dans Esaïe 50. Merci ma katika Esaïe ma kumi tano na mbili. Il ne va pas éteindre le feu qui est encore allumé. Ye hata zimisha moto ingali kinatoka kamoshi. Le rétrograde où est ça? C'est ça maintenant le rétrograde. Oui. Quand le temps de Kekangari Kanato s'amoche. La mèche continue encore à fumer. Jésus à ta Kazimi Chassan. Jésus ne va pas l'atteindre. L'éteindre. Ah non. À ta police en dos. Ouf. Par contre, il va souffler encore. Ouf. Il va souffler. Pour qu'il voit que t'es. Pour que la mèche se rallume encore. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça
ton Dieu, ton sauveur. Ule njo Mungu wako mokozi wako. Atama unazimika saa bougie. Même si tu t'éteins comme une bougie. Esaïe 42, n'est-ce pas? Isaïe 42. Alléluia. Alléluia, amen. Verset 3. Mousser wa tatu. Il ne brisera pas le réseau cassé. Hata vunja lutete ambayo imepengeka. C'est ce que tu pourrais être aujourd'hui. Ce qui va se kuwa leo. Le réseau, ça n'a même pas de part avec la plante, l'arbre. Kwanza ile lutete haina sehemu yote na mumea yenyewe. Kwa sababu nous sommes traités des arbres. Kwa kuwa kwanza tuna kama choka kama vile mumea mti. Le réseau serait. Ni sasa lutete hiyo sio kitu. Il ne brisera pas le roseau cassé. Hata vunjililia lutete nyisha pengama hivi. Mama kata kibuti kinakuisha. Même si tu es fini en toi. Yesu yuko pale kwa kuvunja kama uliamini aje. Jésus n'est pas là pour pouvoir te briser encore si tu l'as cru. Hata na kukosa kwa kimuti. Même s'il manque chez toi l'arbre. Anakuta uko lutete. Il trouve que tu es un roseau. Yeye iko misericordie. Yeye ni mwenye rehema. Alléluia. Amen. Amen. L'amour comme toi, tu es mon. Réveille-toi, enfant de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. L'amour comme mon yekula là. Il ne brisera pas. Ah, ta vunjililia. Ah, ta vunjumba mon achèze. Même si les foyers chancelants. Si tu es appelé. Kama umeitwa. Il ne brisera pas. Et ah, ta vunjililia. Alléluia. Amen. Ils n'éteindront pas la messe qui brille encore. Na hata zima iyo mshuma iliende lutambi ya Matthieu 25. Ni lutambi wa Matthieu 25. C'est la mèche de Matthieu 25. Oui, avec des lampes allumées. Pamoja na taa zenye kuwaka. Si kazi ya Yesu kupunguza moto ya vierge folle. L'œuvre de Dieu ne consiste pas à diminuer le feu des vierges folles, non. Ah, iko kazi ya. Ce n'est pas ça sa mission. Ni bombe yenyewe. C'est elle-même. Ndio banaluzimisha. Qui éteigne. Banaluima mafuta. Et le prix de l'huile. Zoma na zozo siye. C'est pourquoi nous. Tukazana mafuta Saint-Esprit. Nous devons nous efforcer continuer à aller de l'avant avec l'huile du Saint-Esprit. Ne t'éloignez pas de la vérité. Les vierges folles. Wabikira pumba folle. Ça c'est les chats. Wao ni waovu. Parce qu'ils écoutent des interprétations. Kwa kuwa wanasikiliza njo matafsirio. C'est ça qui fait qu'ils deviennent méchants. Ni la tuma kwamba wanakuwa waovu. Mais un enfant de Dieu. Lakini mtoto wa Mungu. Il est comme l'agneau. Yeye ni kama vile mwana kondoo. Conduit par la colombe. Mwenye anaongozwa na ua. Na nguzo. Alléluia. Amen. Ce sont les bêtes qui sont plus fortes. Ni nyama zenye kuwa na nguvu. Pour ce qui est de vertu. Kuhusu zile nguvu. La colombe au ciel. Et pia ua kule mbinguni. A les airs. Katika anga. Et l'agneau. Na mwana kondoo. Ne pas dire la brebis. Parce que c'est ma kondo, lakini mwana kondo. Mungu anipe ile maisha. Que Dieu m'accorde cette vie. Il est d'une fagne force. C'est ce qui fait la force. Il n'éteindra pas la mèche. Hata zimisha lutambi. Qui brille encore. Ningali kinawaka. Ah oui. Nous devrions demander aujourd'hui même. Fais briller ta la. Et ou acheter na ta yako. Oui. Fais briller la mèche. Ou acheter na yule lutambi yako. Jusqu'au matin. Mpaka asubuhi. Mungu baba wakisha chunga moto. Dieu allume encore, garde le feu. Ça qui se va kuhani balikuwa banaichunga. Comme les sacrificateurs le gardaient. Asiwezi kuweka moto wingine. N'aille pas mettre le feu. Mais il est le moto ya Mungu. Le même feu de Dieu. Iwake leo tambira cha nyimbo ya pasteur Vianney. Comme l'a dit le pasteur Vianney. Oui, mais alléluia. Nous devons chanter alléluia. Oh, il iwaka. Le feu s'est embrasé. C'est ce que nous entretenons ici. Il est Dieu tout na zumzi hapa. Le feu de Dieu. Il est moto ya Mungu. Eh oui, mes frères. Dieu en ndugu zangu. Da Esaïe 5. Katika Somme 23, n'est-ce pas? Zaburi makumi mbili. Même si la sodomite va copale. Hata kama wa sodoma wako pale. Même si femme légère na yala. Même si y a des femmes légères qui sont là. Je ne crains aucun mal. Si ta ogopa ubaya yote. Banaume bebako banaume kwa na tukana bwana yako. Même si y a des hommes qui insultent ton mari pour te séduire. Ou bwana pa kustahili. Ah, ton mari là n'est pas digne de toi. Ton mari n'est pas digne de toi. Alors, il faut revenir au sifflet de Satan. Il est tombé là-bas. Ça, c'est le sifflet de Satan. Bwana kwa na pata pita mshomaji na muzarao. Parce que ton mari mais là traverse le mois des chômages, tu le méprises. On a muzarao. Mwingine anakupa 10 dollars, 10 dollars. On a coûté 10 dollars. On a vunja nyumba yako na muzarao bwana. Isto foyer, tu méprises ton mari. Non. On dit que musari ya maandiko. Reviens sur la parole. Si ogope ukaya wote kwa kwa wewe pamoja nami.
Ensuite, verset 5. Kisha mstari wa tano. Normalement, c'est ce qu'il a fait. Kawaida ndio alifanya. Avec tout ce que nous avons comme bagage. Pamoja ile ambayo tunakuwa kama vile mzigo ya kiakili na kiroho. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans cet âge? Basi ni kitu gani ambacho Mungu akufanya katika kizazi? Oui, tu dresses devant moi. Dio, umeniwekea mbele yangu. Une table. Meza. Capable de me donner la force. Yenye kuwa na uwezo kunipatia nguvu. De vaincre mes adversaires. Ya kushinda adui zangu. Ça c'est la parole du Seigneur. Il est ni neno ya Bwana. Que vous écoutez. Ambao mnasikia kwa sasa. Ayaka tu la force. Pamoja na nguvu zote. Qui est amangazine amen. Ambayo imewekwa ndani yake. Tu dresses devant moi. Umeniandalia mbele yangu. Ça c'est de ministère. Hizi ni mahuduma. Devant moi une table. Meza. Garni. Ambayo imewekwa juu yake. En face de mes adversaires. Mbele ya maadui zangu. Et pourquoi tout cela? Na kwa nini ile yote? Parce qu'hier toujours dans Esaïe. Kwa sababu fasi nyingine katika Isaya tu. Les catholiques, les orthodoxes, wa orthodoxe, les anglicans, wa anglican, les romains eux-mêmes, wa romains wa wenyewe, et leurs filles, na wabinti wao, les conseils des églises, le umoja makanisa, c'est le tonneriste du milieu de dans le milieu du message, asi na kwasa wa ngurumu katika ujumbe, wa watu wa kwao na watu wengi, wa kwao na asi na kimoja. Le Branham is my God. Na wale wakisema kwamba Branham ndiye Mungu wangu. Sitakudanganya bien. Je ne vais pas te tromper bien aimé. Toutes les tables. Meza zote. Toutes les tables. Meza zote. Sauf celles. Isipokuwa tu hii. Sauf hii na benye tuko nalo basi. Isipokuwa tu hii avec cela avec personne. Keshero, les gens qu'on nomme Branham Bunga. Les autres pour le bien. Les autres comme les autres la vieille. Oui. Oui. Mouyei kikiboy. Sachez ceci. Il y a qu'ici. Ni a pas tout. Où la table est bien garnie. Je connais mes imeandaliwa vizuri. Amen. Ailleurs. Fasi ngine. Toutes les tables. Mes azote. Sont pleins de vomissements. Zimeja vitapikio. Pour dire que les autres qu'ils ont un peu ici, un peu là-bas. On s'est m'a pas coulé. Nous soit pas. Nous soit. Hakuna kitu. Il n'y a rien. Havana. Ils n'ont rien. Mais on a tout qu'on a 100% de la parole. Et ici, nous devons avoir le 100% de la parole. C'est mon avis, nous devons croire. Nous n'avons pas droit à aucune erreur. Vous savez qu'il est auquel ce qui n'y a pas. Aujourd'hui, ceci demain dire autre chose. Non. Dans la parole, il n'y a que le oui. Katikane non indi au tout. C'est ce qu'on a trouvé en Jésus-Christ. Et nous devons katika Jésus Christ. Le oui seulement. Ndi au tout. Il n'y a pas de oui et de non. Hakuna ndio na hapana. Ça engendre la mort. Il est dans un nini mauti. Parce que dans Joël, on nous dit. Quoi katika Joël, on nous dit. Après Branham et Frank. Bade andugu Branham. Ndugu Frank, mon peuple, watu wangu, ne sera plus jamais. Hawatakuwa tena dans la confusion. Katika mchafuko. Alléluia. Amen. Courage de frère bien-aimé. Mwe na bidii wa ndugu wapendwa. Oui, Dieu. Tu dresses devant moi une table. Umeniandalia mbele ya mbele ya adui zangu. Tu vois bien ma tête. Na unapaka kichwa changu mafuta. Tu vois bien ma tête. Unapaka kichwa changu mafuta. Ange chapitre. Premier je pense. Yohane wa kwanza sura ya kwanza. Ange. Yohane wa kwanza. Il faut non seulement l'onction. Il en faut si tu upako. Parce que il faut que cette onction soit là. Kwa kuwa inafa ile upako ikue pale. Pour que tu de la nourriture que tu manges. Uwe na ujasiri ya chakula nyoko unakula. Ta Ange chapitre 2. Katika Yohane wa kwanza sura ya pili. Mais c'est des petits enfants. Sura 12. Mbona nasema hivyo? Watoto wadogo. Ini sura ya kwanza. Kwa Antichrist vient. Na hivi tumejua kwamba kuna kisho nakuja. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Hivi kumekuwa wapinga Kristo wengi. Kama unakonesa que c'est la dernière. Na hapo tunajua kwamba hiyo ndio saa ya mwisho. Ils sont sortis ces polygames. Wametoka wale wako wengi, wale wa Branhamisti wametoka. Tokea miaka 75 wametoka kutoka mujumbe. Rien que parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Juto haokuwa wetu. Car s'ils étaient des frères bien-aimés. Wapo ingekuwa wangekuwa ndugu wapendwa. Ils seraient demeurés avec nous. Wangenibakia wakidumu pamoja nasi. Mais cela est arrivé. Lakini ile ilifika. Afin qu'il fût manifesté. Ili izirike. Que toutes les assemblées ne sauvent pas. Ya kwamba makusanyiko zote aziokoe. Alléluia. Amen. Afin qu'ils soient manifestés. Ili izirike. Que tous ne sont pas des nôtres. Ya kwamba wote si wetu. Voilà. Amen.
Bagambo nangambo. Ceux-là de ça et là. Branham, Branham. Les Branham, Branham. Ne sont pas des nôtres. Wale hawako wetu. Ce n'est plus question de faire des discussions là-dessus. Les polygames vont trouver cela. Ils manifestent. On a en est chez Akua. Que tu n'es pas des nôtres. Y'a quoi en bas hawako wetu si on a connu quoi polygame. Voilà. Amen. Tu prends des bidons d'eau là-bas pour chasser les démons. Là, tu ramènes vers ici tous les démons de, la, de l'enfer. Et tu n'es pas des nôtres. Non, on est chez Kwamba, Haouko et tout. C'était des maladies terribles. Tu aurais confessé devant ces anciens. Il t'a rendu et tu es guéri. Mais continuez à aller là-bas pour faire quoi? Mon groupe de prière. Oh, les groupes de prière. Maman pasteur, t'as là la quête 7 jours. Maman pasteur, tu vas passer chez nous 7 jours. Elle va te demander l'épargne et l'argent. Alors nous, on n'est pas sauvés par l'argent et l'épargne. Ni l'argent. Voilà, Feza. Et l'or. Ça ne veut pas sauver quelqu'un. Aïwezi Koko Amutu. Nous sommes sauvés par la grâce. Par le moyen de notre foi. Dans la parole. Et qui interprète ce que Jésus-Christ a fait par son sang. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est ce que la Bible dit. Vous ne devez pas être esclaves de quelqu'un. Pour vous. Alléluia. Amen. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Mulipoke au pako toka ko ile ambaye ni mtakatifu. Et ça vous donne la connaissance. Na inawapatia ujuzi. L'onction de saint Cyril William Darou Branham. Au pako ile shuka jeune ndugu Branham. Avec une prise de photo. Na wakashika picha. De la colonne de feu. Ya ile nguzo ya moto. De la colonne de nuée. Ya ile nguzo ya ya wingu. L'onction est descendue de Frank. Au pako ikashuka jeune ndugu Branham. Cyril William Frank. Na ikashuka tena juu ya ndugu Frank. Il devient un docteur. Akakosa mwalimu. Restauré. Ambaye amerudishwa. Lorsque nous lisons. Tunapomsoma. L'onction le quitte. Au pako inatoka juu yake. Na inashuka juu yangu. Eza la connaissance. Na niko na ujuzi. Lorsque le serpent quitte sur vous. Wakati yenye roho inatoka juu yako inashuka nyote. Vous devez aussi croire comme nous. Unapasha pia kuamini sawa vile na sisi waubiri. Comme les anciens qui devaient avoir la vérité. Kama vile wazee ambao wanabakia katika ukweli. Parce que les anciens devaient être. Kwa kuwa wazee walipashwa. Walipashwa kuvikwa. Na zile nguvu. Quelle ministère du jour. Sawasawa na zile nguvu za ile huduma wa siku. Ndio kwa kwake yeye notre esprit. Mungu hawezi kuumba ingine roho juu yao. Ah, c'est nombre 11. Il est ni Esabu 11. Dieu doit prendre l'esprit qui est sur feu, Branham. Nous, on a pêché Kamata. Il est renié quoi, Dieu, nous, Branham. Il est descendu sur le roi de France. Il n'a joué qu'à Dieu, nous, le roi de France. Il le prend. Anaï Kamata. Il le met sur. Vous êtes Mouloum. Anaï Tia Jouya, nous, Mouloumba. Anaï Tia Oukaroba. Anaï Tia Jouya. Sur Kabanza. Jouya Kabanza, Jouya Kasabune. Sur Norbert. Jouya Norbert. Même sur nous les prédicateurs. Na hata juu yetu sisi waubiri. C'est cette option là qui nous anime. Ile upako njiko natuma tukaje fanya kazi. Na haiko kwetu kusema. Nous avons l'onction de Moïse. Non. Tuko na upako ya Musa. Hapana. C'est au peuple de constater. Ni kwa wale watu kuweza kutambua ya kuwa. Kama ce qui n'était pas présent dans la. Ya kwamba hata wenyewe hawakuwa katika mkutano. Lakini ambao walikuwa ni wateule wa Mungu. L'onction de Sadisie. Upako ilishuka pied du yao. Mais là-bas, Minova, là où il est parti. L'autre qui est parti, je ne sais pas où. C'était même onction de Matthieu 24, 46 jusqu'à 47. Jusqu'à ce que le peuple dise. L'esprit d'Elie. Roi Elia. Inatulia. Avec le même verset. Pas moi, j'ai vas-y, les îles Machaïri. Avec la même onction. Pas moi, j'ai le Parco. L'esprit d'Elie. Roi Elia. Pas aussi réalisé. Inatulia, tu es Elisha. Amen. C'est ce qu'on doit constater chez il est juste pas chaque gundo à pia quoi. Vous-même vous devez dire paix que on pas chaque kusema. L'esprit de William Arou Branham. Roy, William Arou Branham. L'esprit de Ward Frank. Roy, Ward Frank. Et de Sandy Silasir qui prêche. Il shuka juu ya Sile mwenye kuhubiri. Ça va être la même chose pour tous les. Il n'a pas chaque quoi ville juu ya hubiri wote. Pas de talent d'ingine. Il ne va pas pour autre chose. J'ai fait quoi injili ingine. Et notre esprit. Ingine ro. Et notre Jésus. Na mwingine Yesu. Ça va être le même message. Il n'a pas chaque quoi il est le ujumbe moja. Que je vous dis. Yote na wambia. Je le tire de toutes ces choses. Ninaitosha mwa mambo yote ma vitabu yote.
Ce n'est pas à moi, je n'ai pas mon propre enseignement. Haiko biangu sina mafundisho yangu mipe ke binafsi. Alors c'est comme ça qu'on reçoit l'onction de la part de Dieu. Tu veux ou pas que toka kwa Mungu mwenyewe mwenye mtakatifu. Mtakatifu 17. Pour l'onction que vous avez reçu de lui. Kwa nini upako mlipokea toka kwake? Demeure en vous. Il n'a dumu ndani yenu. Et vous n'avez pas besoin que notre tonneriste vienne. Na muhitaji ya kuwa mungurumu mmoja akuja hapa. Hamna lazima ya. Vous n'avez pas besoin. Si tu as l'onction de Dieu, tu n'as pas besoin des baptistes. Qu'est-ce qu'ils vont t'enseigner? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il faut que vous soyez des maîtres. Il n'a pas nié que moi walimu. Amen. Vous n'avez pas besoin d'un polygame. Pour qu'il puisse venir vous convaincre. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un en provenance de Kinshasa. Frère Branham dit c'est que cet autre fait là, vos anciens sont capables de le faire. Ils disent seulement qu'ils se mettent sous l'onction du Seigneur. Et ça sera le même verset. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comment son onction vous enseigne toutes choses? Et qu'elle doit être véritable. Et qu'elle n'a pas un mensonge. Mais seulement. Alors, basi. Demeurez à lui. Nous les écritures qu'elle nous a données. Selon les écritures. Selon l'enseignement. Que Dieu nous aide vraiment. C'est comme ça que Dieu fait son œuvre. Tu veux dire, ma tête t'appelle. L'audition de la parole. Neno. Et je suis enivré par l'esprit. Na mimi, nina lewa na roa Mungu. Et ma coupe de vin. Ma kikombe changu cha mvinyo. Déborde. Kinafurika. Amen. Là, tu as déjà un guerrier. Il est à l'aise. Il te livre tous les secrets de sa maison. Ça coupe à déborder. Qui comme quelqu'un qui me fourrique. Alors nous, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne vous enivrez pas de vin. Moussilez comme vigno. Soyez remplis du Saint-Esprit. Lakini mujaze Roho Mtakatifu. Jusque comment? Mupaka kiwango gani? Jusqu'à ce que la coupe déborde. Mupaka kikombe kifurike. Des révélations du Saint-Esprit. Kifurike na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Qui nous a livré. Ambayo inatulewesha. C'est ce qu'on appelle ma coupe déborde. Ile ndio wanaita sasa kusema kikombe kinafurika. Baku na lewa Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu t'enivres du Saint-Esprit. Una lewa révélation de la parole. Tu es enivré de la révélation de la parole. Une sentir une tête. Et tu te sens être affermi sur la parole. On attaque à Zambi, l'onction elle-même, et te dit non. Tu veux commettre le péché ou pas comme la Kwambia? Ah, pas non. Aïe, combien de temps vous voulez? Ce n'est pas comme ça que l'on a prêché. Comment comme on vit à Kabaz? Souvenez-vous de la prédication des Kabaz à deux tels. Souvenez-vous de l'enseignement des boulons de la poussée à la prière. Réveille-toi et prie. Mais tu ne sais pas ce qui était vrai. Si vous savez ce qui est quoi, qui chaffe, allez le tourne le regard. Ne convoite pas la richesse qui ne t'appartient pas. Ta coupe des bords de Dieu. Comme Tchako qui n'a fourri qu'un amas versé à Biblia. Alléluia. Amen. Dieu lui-même habite en toi. Mungu yeye peke anakaa niako. Le moyen des écritures. Kwa njia ya maandiko. Voilà pourquoi nous ne voulons pas. Zaini kwa mimi hatupendi. Des gens qui s'aventurent ici. Watu wenye kufanya mizamiza hapa. Nous voulons seulement ce que le prophète a dit. Tunapenda tu kile kinyambia alisema. Et ce que Frère Franck nous a dit. Na kenye ndugu Franck alitwambia. Chaque prédicateur. Kila mhubiri. Devrait avoir terminé la dernière lettre. Alipashwa kumaliza kusoma ile barua ya mwisho. Pour qu'il soit en ordre. Ili awe katika utaratibu. Et qu'il apporte les mêmes paroles. Alete yale yale maneno. Alléluia. Amen. Oui. Ndio. Oui. Ndio. Na wewe sema vile. Et oui. Tu également dit comme ça. Ndio. Alléluia. Amen. Oui. Ndio. Parce que sina fausse doctrine. Kwa kuwa sina mafundisho ya bongo. Ndio. Sina bongo ndani yangu. Je n'ai pas de mensonge en moi. Ndio. Na siache zambi moyo wangu. Et je ne laisse pas le péché en moi. Ndio. Hataki mtu anizarau. Et je ne veux que personne ne méprise. Non. Je suis un chrétien. Mimi ni mu Kristo. Oui.
ndio. Ile wini ya wa chrétien. Ile ndio ni wa Kristo, c'est pour les chrétiens. Na wenyewe wanashika. C'est pour cela qui s'efforce de rester dans l'ordre de la parole. Il n'est palpé par les femmes de Christ. Ils ne sont pas palpés par les hommes qui viennent de Satan. Et ils se préservent. Et ils sont des ennemis qui sont Toach ou Mungu. Alléluia. Ils ne veulent pas d'autres hommes. Jusqu'à ce qu'elles peuvent dire qu'au mari, comment sera-t-il possible? Car je ne connais point d'homme. Alléluia. Amen. Il n'a pas quoi habiter comme ville Maria. Je ne connais pas d'autres personnes. Si Dieu est mutu mwingine. Si c'est nous les personnes utilisées par le Saint-Esprit. Et pourquoi toi alors tomber on a tout mis kishi ou on a Rome t'arrête. Et on dit Rome t'arrête pour t'acquérir du yako. Et l'enfant qui sera dans ton sein. Nam tout mon tawa katika tumbo yako. Sera appelé qui? Ataitwa nani? Mungu aniwezeshe. Que Dieu m'aide. Na wewe Mungu akuwezeshe. Et que Dieu t'aide aussi. Mimba yenye uko nayo. La grossesse que tu as. Neno la Mungu. Celle de la parole de Dieu qui est entrée en toi, qu'on puisse l'appeler. Après que tu aies reçu la semence, il y a un homme qui doit naître de toi. Il n'est pas Achille. Haïko Achille. Ça va être un fils du Très-Haut. Il n'a pas chacun moi wa yule wa juu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ah, tu dis que nous tous sommes dans Mouili. Nous voulons voir ce Fils de Dieu très haut. Où le Jésus-Christ dans nous met. Ce Jésus-Christ en nous. La parole. Neno. Parlez. Neno, l'inino, neno. Auditionné. Il nous cyclise. Ça engendre en nous. Il n'a jamais et tout. Il ne nous vole personne. Moutou mou pia. Parce que Dieu n'a seba, voici de votre chose nouvelle. N'a failli en mouto quoi, ma pia. N'a assemblé à temka. N'a ksani quoi, temka. Il a toute chose nouvelle. A n'a failli en an, vite, vite quoi, ma pia. Les anciens. Oise. Doivent devenir nouveaux. Ou n'a pas cha quoi, wa pia. Tous les ministres. Si soit au douma. Nouveau. Tout n'a pas cha quoi, wa pia. Les diacres. Ou chemasi. Nouvellement formé. Ou n'a pas cha kouumbo ou pia. N'a wa mini. Mène nos enfants. N'a hâte à toto et tout. Parce qu'il a fait toute chose nouvelle. Tes amis n'ont pas eu de quoi, ma pia. Pourquoi il nous a engendré? Tes amis n'ont pas eu de tout ça. Oui, selon sa volonté. Pour l'ingana ma pensée à qui? Par la parole de vérité. Pour en dire à Neno la quelle? Pour que nous soyons réellement. Il n'est pas de quoi à qui car? La pénisse, le problème. Manuko, vous allez voir Kwanza. Oui. Dieu. Et puis j'attire son attention. Oui. Il n'est pas de comme vous dire. Ah, il n'est pas de comme vous dire. Eh bien, mes frères. Amen. Demeurez à lui selon les enseignements qu'elle vous donne. Tout le monde n'y a qui couvre dans ma fonction balle ou toléa. On a dit à pas beaucoup vite. Maintenant ici il y a des choses que nous devons lire et qu'on doit acheter. C'est très important dans Romain. Pour que vous ayez la force. Pour que vous ayez la force et la confiance en Dieu. Na mutumaini Mungu. Selon les Écritures. Sawa sawa na maandiko. Parce que quoi peut qu'à ouais qui. Pourquoi pas que tu peux rien. La parole entre en toi. Mungu atafanya maajabu. Et Dieu lui-même accomplira des prodiges. Aussi discuter na neno la. Ne discute pas avec la parole de Dieu. Donc à l'égard de ces choses. La semaine dernière, basse Dieu a mené mambo aya. Qui est pour nous qui sera contre? Comme nous n'y comprenons de votre nette quoi zidier tout. Aka ni kabo kamata. Ça c'est quelque chose à qui nous approcher. Comme ni sida ina kuanga mais. Même si le sida ina kuanga semé. Maïni a kuli shaosa. Ton foie a déjà pourri. Oui, na ma pomoza kuli shaosa. Même les poumons ont déjà pourri. Eh ben, kamatilia. Alors, tiens ceci. Lui qui n'a pas épargné son. Qui en bail a coué pusha moi na wa kipeke. Qui l'a livré pour? Qui n'a alimuto kwa jile tu si sauté. Namna gani? Na nous donnera-t-il pas aussi? Namna gani atakosa kutupatia pia? Vitu vyote. Avec lui. Pamoja naye. Amen. Amen. Nalomba mama togari kuna danganyika. Vous demandez les véhicules, vous trompez. Lomba buzima wa milele. Demande la vie éternelle. Il mangea zéro tu te zekia kui barabara sa. Tout c'est toi, ça va briller, ça va pourrir ici sur les. N'a pas tout quand tu résiges. Les maisons que nous construisons. Para ça m'a demandé. On dit Mulombe, c'est demandé pour que votre joie soit parfaite. Mulombe, il faudra élire comme il faut. Alléluia. Amen. Or que qui nous a ce mutu na tosheka. Or ceux qui peuvent faire en sorte que la personne soit satisfaite. Oh oui. David a dit
mzuri. David l'a bien su. Nina kiu yako Bwana. J'ai soif de toi Seigneur. Kama yale yeye kuna kiu ya. Comme là. Ayala. Affiche a soif de l'eau. Moi j'ai soif de toi. Nina kiu ya Mungu. J'ai soif de Dieu. Voilà ce que. C'est comme ça dit. Kenye walituambia. Par le pasteur Bulumba. Kwa njia ya mchungaji Bulumba. Avoir la soif de Dieu. Kuwa na kiu ya Mungu. C'est très important avoir la soif de Dieu. Ni amana sana kuwa na kiu ya Mungu. C'est ce que Frère Franck nous dit quelque part. Je kenye ndugu Franck anatuambia. Je pense plutôt que ça doit être Frère Branham. Kiri inaweza kuwa ndugu Branham. Quand le Saint-Esprit toi hapa kwa hii. Commençons par ici. Il a eu toi, Christ et son église dans la prophétie. Bibliothécaire m'a dit que la mère n'a pas sommé à tout le monde. Il m'a demandé de lire page 27. La page 27. Toute la prière de ceux qui reconnaissent la parole promise dans l'alliance. Toute la prière de ceux qui reconnaissent la parole promise dans l'alliance. Katika agano neno fait par Dieu ambayo ilifanywa na Mungu. Toutes les prières, maombi yote, monte jusqu'au trône, yanapanda mpaka kiti cha enzi, du tout puissant, ya Mungu mwenyezi. Hadi nikusema toutes les prières de ceux qui reconnaissent la parole promise, maombi yote yenye kutambua neno lililo aidiwa. Maombi yote yenye yalitoka mu madini. Les prières de tous ceux-là qui sont sortis des dénominations et qui ont suivi Jésus-Christ dans le message de l'heure. On dit ceci, Frère Franck dit, leur prière ne restait pas ici dans l'air. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce que nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et que tu t'es fait baptiser réellement. Et que tu fais des fois pour aller à l'église. Non, enfin, il y a des gens qui ont dit ça. Eh oui, c'est pas seulement le vendredi là et le mardi. Tout ce qui est dans ce qui est pili. Mais tous les jours. Mais qui n'est si que vous autres. Eh bien, ça, on a un bas Mungu. Mais quand vous priez Dieu. Oui, les prières de ceux qui reconnaissent la parole. On dit dans l'alliance. A été la pratique à galérer faillir comme Mungu. Monte jusqu'au trône du Tout-Puissant. Comment? Namna gani? Comme un parfait de bon odeur. Kama vile manukato ya harufu nzuri. Voilà ce que l'ancien Bulumba n'a pas cessé de nous dire. Ça amène qu'il embâche monsieur Bulumba à prendre main pour la prière. Pas moi j'en ai le kutukazia kusema kuweze comportement à avoir jusqu'à ce j'étais par terre comme Jésus. Kama matampa kushuka chini kudongo kama vile Yesu Kristo. Donc quand nous l'était les nafsi yako yenye ilishangaa na zani za Sodome qui est déjà attaqué par les péchés de Sodome et Gomorrhe. Ma vous jeunesse, ma maman vous te permet de salon. À côté de toi aussi. Célibataire musulman. Célibataire, tout un célibataire. Attends là il est. Laisse tout cela. Amen. Abandonne toute cette phobie qui vient à prendre des choses. Tout ce que tu fais là, laisse. Dieu peut t'aider. La prière monte. Maombi na panda. Jusqu'au trône du Tout-Puissant parce que tu as dit que tu as un monnaie ce qu'on a dit. Comme un parfait de bon odeur. Oui. Le prière de ceux qui croient véritablement. Ma ombi yenye kuamini hakika. Le message. Ujumbe. Apporté par le messager étoile. Iliyoletwa na mujumbe nyota. Alléluia. Amen. À part de Billy Graham. Pas le message apporté par le Billy Graham. Et par le Roland Robert. Pas déjà comme Roland Robert. Mais Frère Franck Ansema. Mais qui nous Franck Ansema. Le prière de ceux qui croient véritablement. Maombi yenye kuamini hakika. Le message au singulier. Ujumbe kwa umoja. Apporté par le messager étoile au singulier. Na yule mjumbe nyota kwa umoja katika kizazi. Pour cet âge de l'église. Malaika wapa kutumia kwa ajili ya kizazi cha kanisa. Alléluia. Amen. Est-ce que vous n'avez pas de William Aro Branham? Est-ce que vous savez que c'est William Aro Branham? Sont portés au trône de Dieu. Il n'allait pas connaître Charles Chamungu. C'est pas qu'elle a sauté à quoi. Il comprend sa voix. Non pas par ta voix. A pas la connaître sauté à quoi. Non par les anges célestes. Lakin il n'allait pas au malaïque en binguni. Amen. Osika te tama. Il ne faut pas te décourager. J'ai quelque part que le couvain fait Branham comme prophète de cet âge. Puisque seulement tous les coups, nous avons accepté Branham comme prophète de cet âge. Ça, on a quand tu pries,
Si tu prends tous les versets avec toutes les promesses et tu mets là-bas, pour cet âge, Kwajil et Kizazi, est-ce que j'ai cru pour l'Iliane? Est-ce que réellement j'ai cru? Tu as cru le message? Oui, j'ai cru. Est-ce que tu as accepté d'être ramené à la Bible? Oui. J'ai cru le baptême, mais je ne manque pas au culte. Sauf si je suis empêché par une circonstance. Est-ce que tu crois dans la vie de Goma? Oui. Est-ce que tu crois qu'il y a les anciens de l'église? Oui. Est-ce que tu crois, tu acceptes que les changos sont des diacres? Oui. Est-ce que c'est là où tu s'assieds là, dans l'assemblée? Oui. Toi même Dieu, tu sais là où je m'assieds souvent. Alléluia. Amen. C'est tout mon homme. Et quand seulement tu pries, les anges viennent. Amen. Et ils emportent toutes les prières. On voit les prières comme les diacres qui récoltent les offrandes. Et ils montent avec les prières. Et ils partent avec. Et ils traversent tous les démons. Alléluia. Et ils amènent ta prière jusque devant Dieu. On dit, mon Léopold ici est en train de prier. Voici sa prière. Et Dieu prend la prière comme les anciens prennent ici les requêtes. Amen. Et Dieu commence à dire comme Shango. L'hôpital de Katindo. L'hôpital de Katindo. Amen. 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 Et les anges disent, n'oublie pas la sœur Gorette. Voici la requête, sa requête, je l'ai présentée. Oui. Ah, je suis encore là, je ne suis pas encore arrivé à la requête. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je tourne à midi message. Et que parce que tu crois à ce message, les cieux prennent soin de toi. Amen. Et Dieu veut te parler. Amen. Apporte tes prières, ne te lasse pas. Comme il a dit Frère Branham, tel que nous l'a dit Frère Kibumba. Ne pense pas si tu prends seulement un verre d'eau du lac de Kivu. Tu penses que donc tu as pris tous les lacs. Chaque fois la Monisco puise à côté de chez moi des tanks et des tanks et on écrit tank d'eau. Et Manu Rami puise. Le lac n'a jamais diminué même de 1 millilitre. Amen. Et toi aussi, demande, prie. Et ta note là. Et fléchis les genoux plus que même le musulman. Wow, vous devez appeler en bas, bon enfant, enfant, il y en a peine. Présentez tout ce que tu as comme besoin. Et dis-lui, tel qu'ils sont en train de le dire aujourd'hui, je ne vais pas rater l'enlèvement. Amen. C'est ça, ça veut dire mille jours. Je ne vais pas, mais là, pourquoi est-ce que j'ai cru? Ou la colonne des nuées. Ou Matthieu 24. Ou Matthieu 24. Ou l'assemblée de Goma. Dans l'assemblée de Goma. Et après que je rate l'enlèvement. À cause d'une certaine femme. À cause d'un certain homme. À cause du ciment. À cause des tôles. Que je rate l'enlèvement. Il faut que ça m'en amoure jamais. Il faut dire avec Dieu, jamais je refuse. Amen. Chaque fois on nous dit, le monde est impur, le monde est gâché. Et qui se sont notés que de faire le mal? Mais tu veux que moi je fasse quoi? Moi je ne peux pas arriver à m'aider moi-même. Même vous qui m'avez dit, il n'a pas écouté les écritures. Il faut que toi seul tu interviennes. On a dit que moi je m'avais dit. On a dit à cet est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Comment puis-je comprendre? Il t'a élevé en amour à Gani. S'il n'y a personne. Kamakuna Mutu. Qui n'interprète les écritures? Moyen Ananita Syrien Mandiko. J'ai appris ça d'envoyer Philippe. Ah, ça m'ouvre qu'à Chouguli Kanakatuma Philippe. Philippe, il a sauté dans les airs. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour que tu comprennes? Qui tu gagnes Kenya Mouaï Sikoufaya, il n'a offiqué qu'au élevé en Mandiko. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour que tu quittes Sodome et Gomorra? Mungo Aesikufaya Nini, il ou Fike Kutoka Sodome et Gomorra. Qui
Kila zambi tasamehewa. Chaque péché sera pardonné. Isipokuwa ya blasphème contre le Saint-Esprit. Excepté seulement le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Kuya kwa ke Saul mwanamke. Viens à lui comme cette femme. Oui, tandika mkeka mu salon. Oui, et tantana dans le salon. Wende inje mu maombi. Va dehors dans la prière. Kisini kwa leo mangaribi usiku na 4 du matin. J'ai été aujourd'hui la nuit et même matin. Ni patie la kwa kule lulu baba, ni patie. Donne-moi ce que je vais amener là-bas, Seigneur. Oui, donne-moi. Ben, lui peut, il peut qu'on ait patie. Tu vas lire ici, tu vas aussi là-bas, tu vas lire là-bas. Et tu liras comme ça. Il te donne même des brochures et des lettres. Ah, n'a pas pâti, n'a pas broché. Je ne sais pas seulement, on n'a pas lu. Seulement quoi, n'a pas lu. Seulement, il faut avoir la force. Il est venu à Kuzingatier, à Sodome et à Gomorre. Ceux qui sont liés, ceux qui te sont liés. Ne cherchez pas Sodome. C'est ma Moussita Fout et Sodoma. Sodome est déjà là. Sodoma, il copane et il chafika. C'est partout dans les bureaux de la Monusco. Là où j'ai déménagé, n'en parlons même pas. Je me demande où est-ce que je me suis déplacé. Pourquoi je me suis déplacé pour venir ici? J'ai changé même la construction. Ma soeur Kanande, où est pasteur? Est-ce que réellement tu es pasteur? Nous n'attendons pas de chabazungu munyumba yako. Et tu veux loger les blancs dans ta maison? Ah ça, mais oui, oui. Je dis oui, oui. Devant l'asile, ma frère. J'ai besoin de l'argent. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il s'habille le samedi? C'est vrai, dis-moi d'abord, dis-moi. N'est-ce pas que tu es le fils du chef coutumier? Oui. Maintenant, toi, tout témoin. Vos frères vont arriver ici. Jamais une grande famille comme ça. Les oncles seront là. Et une femme passe en sous-vêtement. Qu'il faut avoir. Torse nu. Na weye. Et toi. Na ba garçon ya kovali shakwa na bande. Et tes garçons qui ont déjà la barbe. Moi avant de me tourner. Vous tous vous allez tourner le regard. Les personnes m'ont dit quoi les voir. J'ai dit c'est la vérité. Asa mosi ya ba panga iba ya ba expacte. Nous qui logeons les expactes. Ils oui. Ils ont fait porter une grossesse à notre père. Les personnes m'ont dit. J'ai dit c'est pas possible. Qui se va canambi? Et après ils m'ont dit Batakubak. On va te violer. Nini? Quoi? Pas seulement les femmes. Nabazungu baba naou. Même les blancs hommes. Batakubak. Ils vont te violer. Batarim se va sikaya. Ils vont même violer tes femmes, tes filles. Et même ta femme. Quand on va les garçons là? D'abord tes garçons là. Batababak. On va les violer. J'ai dit ah bon. C'est cela, oui c'est cela qu'il y a maintenant. J'ai dit à notre frère Baloumé. Je ne vais plus construire la maison là que vous avez terminé. Fait les plans. C'est fini. Terminé. C'est fini. Une simple maison dans laquelle moi-même et mes enfants et ma femme, tous les locataires dehors. Le monde est impur, il est mauvais. On devrait faire attention. Vous ne pas j'en fais un galicho. À tout acte que nous sommes en train de commettre. Qui l'a tenu notre nom faille. On continuera les lectures peut-être demain. On va lire peut-être demain, t'as son maquet chaud. Oh là là, passé de 12 minutes. 3 minutes seulement. On n'est pas dit tout d'Akikata. On a tombé à Ibiapa. On nous dit comme ça ici. Lui qui n'a point épargné. Yéambaye Hakwe Pusha. Oui. Comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses à la vie? N'a pas gagné à ta pied, vite ou vite, qui acquisera le joli de Dieu? N'a pas gagné à ta qui? C'est Dieu qui justifie. Ni mon gomonier qui s'habille à Haki. Aussi tu n'as pas gagné à Haki. N'a pas gagné pas la justice de truie dans l'église, non. Bible dit ça, ça me méfie à des hommes. Moussi, Angaï, qui n'a pas le Watu. Or, ils sont méchants. Pourquoi on nous a ouvre? Alors, n'attendez pas d'être juste devant qui que ce soit. Ou singojele quoi, monira qui met les yeux. Qui acquisera les ailes de Dieu? N'allez pas cacher ta tête. Quel frère ni moulose? Telle sœur et les sorcières. Telle sœur et se vend. Ça n'avale à Najivuna. Quand elle est bien habillée. Ça ne se passe pas à Najivuna. Quand elle conduit la voiture. Qui acquisera les ailes de Dieu? N'allez pas cacher ta qui va te ouvrir Mungu. Tu lis à quoi Mungu? C'est Dieu qui justifie. Sois apaisé auprès de Dieu. Qu'on te laisse en paix. Pour le papa Nimoulos. Comment est sorti? Comment seulement? Ayetu Nimoulos. Comment est-il sorcier? Oh, Hachajagemango Nimoulos. Oh, il ne change pas. Mais quelle est la preuve? L'argent de cette femme ici, c'est avec des conditions. Des histoires comme ça que ça ne te dérange plus. On a quoi qu'on a 12 batouets. On a quoi qu'on a assez à ça, il y a un bois à ma carte. Il est comme un chien méchant. Sois ce que tu es. Ou si tu aimes de tout Zambi. Seulement ne commets pas le péché.
Dans quoi tu n'as amant? Qu'on te laisse en paix. Amen. Une chassie de Nazambi. Dio! Oui, tu as déjà commis l'adultère. Mais c'est ce que je vous dis que. Et je ne veux pas que ça augmente. Pour la Kumaombi à Mungu parle. Viens à la prière ici. On est chez Maïtage, ils ont fait aussi mon fils. Toutes les requêtes ne lui cachent rien. Qui le condamnera? Nan est à Kaïwa Okum. Qui s'est mort, bien plus. Et il soit l'écoute à Tela Zaïd. Il est résisté. Il est à la droite de Dieu. Il est à Kumé ni Kumungu. Ah, Kadoka, bombe atomique de Kumé. Bombe atomique de Kumé. Bombe atomique de Kumé. Diable. La racisatrice des frères. Des frères et des soeurs. Et il intercède pour vous. Natena Anatombea. Amen. Ah oui. Amen. Satan, il a amené Jésus auprès de Dieu. Pendant alors que Jésus venait de commettre l'iniquité. Il a fait monter la vie. Regarde sa robe et ton sacrificateur. Non, c'est celui-ci le frère en Christ. Regardez-le. Regardez, regardez. On a un peu que Mungu. Jésus avait commis le péché et sa robe était souillée. Quelque chose de semblable. Et Dieu a fait taire Satan et lui a dit, celui que tu vois là-bas. Moi, on a parlé. Celui que tu es en train d'accuser. Ou le monique qu'on acheta qui parle classique. C'est le diacre. Celui que tu tires même au marché de Virunga. Virunga non mchafua. Je vais te dire la vérité. Tu as combien quoi? Je fais miséricorde à qui? Je fais miséricorde. Mie minaremia ou inapenda kuremia. Celui-ci. Oyu. C'est un tison comme les autres. Oyu ni moto. Mutia moto. Comme ville de Guinée. Ils sont en train de faire les makala. Benyevi qu'on a tout ma makala na patikana. Mais moi. Lakini mimi. Je l'ai retiré du fait. Ni les moutons, chamoui les motos. Ni les gens m'ont accusé. Anamalizaga, accusation yot. C'est comme ça que Dieu met fin à toute accusation. Ma sengenyo, ma critique. Tout. Ma calomnie. Kousenéna bongo. Ma kiana chétani wako. Reste avec ton Satan. Mais si. La qui n'y si. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous avons été rachetés par un grand prix. Au moyen du sang de Jésus-Christ. Je ne vais pas vous bouffer tout le temps parce qu'ils sont encore là. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Wambahu. Lio pasuka. Dania. Chorale, vous comme la foi taillari. La chorale est prête. Da mohi. Itokai. Itokai. Levons-nous pour une courte prière. Iweda. Ya kuponya o ya ya au ba wakati muziki yuko kidogo na kurali kona on fait passer la musique en sourdine usiki haya n'est pas honte parce que n'est pas honte de Jésus-Christ c'est ma aussi qu'il y a Yesu haya et de Paul ce serviteur na Paul mtumishi wake oui. Dieu. Tout ce que tu trouves comme fardeau. Ces mêmes anges dont Frère Franck a parlé. Ils sont ici maintenant. Et ils attendent ce colis que tu vas faire monter. Un colis pour toi seul homme. Le colis de ta femme. Les colis de ton mari, les colis des enfants que tu appelles démons, alors que ce sont tes enfants. Eh oui. Les anges attendent pour apporter requête. Est-ce que tu vas adresser à Dieu aujourd'hui comme prière? Il est qui boule. Cet orgueil. Cet orgueil, cette arrogance, ce vol. Il est pombé. Ces alcools que tu prends. Présente cela à Dieu pendant que nous suivons la musique. Au moment où nous demandons qui est-ce que nous sommes.
Qu'est-ce en quoi Dieu ne peut pas t'aider, ce qui ne peut pas te sauver? Tout est possible. Yote na wezekana, kwa yule anayeamini. Et devant Dieu, na mbele ya Mungu, rien n'est impossible. Hakuna kisichowezekana. Même l'infirmité des bras et des jambes, même kizimi, même les sous, même pupu, même le muet, même magonjwa ya wewe yote, même toutes sortes de maladies. Ah oui. Eh oui. Hakuna kenye Mungu hawezi kusaidia. Il n'y a rien pour lequel Dieu ne peut. Il est demi ya banque yenye nakufanya malheureux. Tu crois que tu as la banque qui te rend malheureux. Demi ya banque nakufanya malheureux kabisa. Le crédit d'autrui qui te rend malheureux. Même les minervaux des enfants. Tu ne sais pas où commencer. Amen. Yesu yote na au Seigneur Jésus et tout est possible. Dis-lui par une courte prière seulement. Après on va appeler l'ancien Kaloba pour qu'il prie encore pour nous. Ah oui. Oui. Mambie. Dis-lui. Déchargez-vous sur lui. Moi et ma soubouffier le yote. Ma soubouffier le yote mou tout. Ah oui, non, pas. Soyez paix qu'à la chouboulika. Il viendra lui-même. Atakuja ye mwenyewe. Et vous sauvera. Na atawaokoa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens, tu fais donner à Kojou. Lève seulement ton doigt. Pendant que nous prions Dieu, souvenez-vous aussi de moi dans la prière. Pour que Dieu aussi puisse m'affermir. Et prions pour tous les enseignants. Prions pour notre église. Que Dieu nous donne de nous apaiser auprès des eaux paisibles. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, mon Moïse. Créateur du ciel et de la terre. Mumbaji wa mbingu na nchi. Je te remets toutes les requêtes de ma maison. Nakutolea itajitu za nyumba yangu. Les âmes de ceux de ma maison. Za nafsi za nyumba yangu. Oui Seigneur. Dieu Bwana. Tous mes soucis et mes problèmes. Masumbufu yangu yote na shida zangu zote. Oui, jusqu'à mes locataires. Jusqu'à mes travailleurs. Accorde-nous une ambiance qui nous permet de participer à l'enlèvement. Chéri qui kunyakuliwa. Nos anciens. Accorde-les. L'esprit qui était sur Moïse. Sur le ministère aujourd'hui. Tu es au Douma Léo. Oh Dieu. Oh mon goût. Les croyants. Tu vois toutes les multiples requêtes. On a ici. Ebizos. Jibia Bwana. Comme j'ai dit tantôt. Kama nilivyosema upesi. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Hatupendi tukose kunyakuliwa. Il n'y a rien qui pourra nous faire rater l'enlèvement. Sisi kitatuma tunakosa kunyakuliwa. Réveillez-nous, oh Dieu. Utuamshe e Bwana. Délivre-nous de nos faiblesses. Na utuokoe toka dhambi zetu na mazambi. Remplis-nous de ton esprit. Utujaze na roho wako. Viens toi-même habiter parmi nous. Uje mwenyewe ukae katikati yetu. Et à nous Seigneur. Na ndani yetu. Bénis chacun de nos personnes. Bénis notre retour à la maison. Bénis la journée de demain. Bénis nous la prière ce soir. Et nous sommes encore t'apporter. Et nous nos requêtes. Et nous sommes donnés des dispositions pour l'enlèvement. Oui, Seigneur, bénis les anciens. Bénis Boulouba, bénis Kalolo, bénis Sabouni, Norbert, tous les autres. Bénis-nous en tant que diacre. Pour que ça soit un havre de paix dans l'église. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que tous les démons des enfers puissent quitter les corps. Le foyer de Goma. Que les âmes soient libérées. Que les maladies soient guéries. Par la puissance de notre Jésus-Christ. Tu es notre Dieu. Et tu es vivant. Gloire à ton nom. Utukufu kwa jina lako. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Utukufu kwa jina lako. Exalté sois-tu. Na usifiwe utukufu. Au nom de Jésus Christ. Kwa jina Yesu Kristo. Tunalika. Amen. Nous invitons l'ancien Kaloba. Tulombie baraka. Pour un prier pour nous les bénédictions. Qui vous nous accompagner à la maison. Que Dieu vous bénisse richement.